Aujourd'hui, j'ai joué avec le premier joueur au monde à être monté Unreal avec une caméra inversée. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin car on a fait des games incroyables. Et grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, vous êtes les boss. Si t'es pas encore abonné et que tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Du coup, frérot, on se retrouve directement en ranked. Moi, je suis actuellement un gros Bambi, je suis hors 2. J'ai fait que 2 games sur cette saison et c'était dans ma dernière vidéo. Pendant un mois, j'ai quasiment pas joué. Du coup, je connais rien du tout. Toi, t'es actuellement Unreal, t'es top 3000 au monde. Donc pour faire une bonne game, tu voudrais qu'on spawn où? Je pense pour le game, faudrait qu'on spawn à Knocky, qu'on se split. Toi, t'es là et moi, je vais là. Ok, frérot, ça marche. Je te fais confiance, de toute façon tu m'aurais dit de spawn dans l'eau, je serais clairement allé dans l'eau. Toi t'es un genre pro, tu connais extrêmement bien les spawns. Tu m'as l'air d'avoir tryhard, frérot, t'es niveau 197, je suis niveau 18. T'as 10 fois plus de niveau que moi sur cette saison. Ouais, c'est à cause de la ranquette. Du coup on est directement parti pour Knotty. Il y a l'air d'y avoir peut-être 2 teams, je pense. Ah, ils vont côté droit. Bah si tu prends pas la tour, en vrai je vais y aller. Vas-y, vas-y, bah va sur la tour, je vais mettre des petits bidons. Ce spawn tu le fais dans toutes tes games de ranquette, en solo ou en duo? Non, en solo j'ai d'autres spawns, mais en duo ouais je fais tout le temps. Ok, ça marche. J'ai un espace ouvert pour toi si tu veux. Et une pizza. Je veux bien, j'arrive. Ouais, vas-y, viens, on va se mettre bien. J'arrive. Je l'ai fait brûler. J'ai pris une balle de snipe. Ouais, il y en a un qui est au top. Il y a un mec au snipe, ouais, au fond. Ouais, c'est peut-être là-dessus. 72. 72. Bien vu, bien vu. Je vais sur l'autre KO. Il y a un mec. Fais gaffe, il y a une M-crate. Ouais, je suis descendu sur le mec. Attends, il y a la M-crate qui m'a. J'arrive. Meurs pas, je suis là dans 5 secondes. On va faire le tour. Il est dans la maison, le mec. Hein. Il a l'air solo, je pense. Bien joué, il était trop chaud. Ça se voit, tu connais toutes les petites cachettes du spawn. Ouais. Il reste encore le mec qui tire au sniper, je pense. En haut de la maison, là, ouais, probablement. Mais il doit être seul aussi. Hein. Je le vois dans le bush mort. Ok, du coup, on a lavé le spawn. Maintenant qu'on a tué toutes les personnes qui étaient là, tu veux qu'on passe quoi? Là, pour l'instant, je pense qu'on va farm un peu. Et après, on peut peut-être qu'on teste les bots, tu vois. Quel bot? Je sais pas du tout ça sert à quoi. Tu peux m'expliquer ou pas? En gros, il y a une tour météo. Et quand on récupère la tour météo, on connaît les zones à l'avance. Et on a les bots, du coup, on a une slur, enfin deux slurs pour le duo. Ok, ça marche. Vas-y, bah je te suis. Et du coup, toi, frérot, est-ce que t'as des petites pertes un petit peu en compétition ou pas? J'ai fait des top 300 duo, un top 200 là récemment, et top 60 en solo. Et du coup, t'as combien d'earnings sur Fortnite? J'ai 100 euros d'earnings sur Fortnite grâce à la solo de il y a 2 semaines. Les gars, sachez qu'on aurait dû tourner la vidéo il y a 2 semaines, sauf que malheureusement j'ai eu un petit problème et j'ai pas pu être là, j'ai trop le seum. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais également spectate Shino et un petit peu le coacher durant la solo cash cup. Et j'espère qu'aujourd'hui tu vas faire la même chose qu'il y a 2 semaines, ça serait vraiment incroyable en vidéo. Tu penses que c'est possible ou pas, frérot? J'espère. En vrai, tu vas avoir un bête de coach, t'inquiète pas, moi j'y crois. On go sur les bots, là on prend la tyrolienne vite fait et on essaie d'aller les toucher. Je suis actuellement en planeur, je vois personne. Donc je pense qu'on va être tranquille. T'es bien en maths ou pas? Je suis bien, je suis à 4, 3, 1. Par contre les bots c'est vraiment un truc risqué, parce qu'en fait on voit jamais personne en surface et il y a toujours des gens qui sneak de partout. Généralement il y a 2 ou 3 teams qui fight. Ouais, il y a des mecs là. 84. Alors sur des trucs 74 blancs. Par contre le problème c'est qu'ils ont des slurps maintenant. Ah, ils c'est slurps. Ouais. J'ai mis 59 à l'autre. 26, je sais pas, il fait quoi, je le vois. Ah, ils ont laissé la carte. Ah, oui, ils ont laissé la carte par terre. Bon, on peut la prendre. Ah, ouais, ils ont abandonné carrément. Ça, normalement, apparemment, ça donne des points en ranked en plus. Ah, ouais, c'est quoi le meilleur système pour gagner beaucoup de ranked rapidement? Parce que là, je suis hors 2, j'aimerais bien monter Unreal quand même cette saison. De la solo, essentiellement. En fait, la solo, on gagne vachement plus de pourcentage pour une win qu'en squad. Du coup, si jamais tu galères à faire des top 1 en solo, bah, la squad, ça peut valoir si tu te fais carry, entre guillemets. Mais à partir du moment où t'arrives à gagner par toi-même, la solo, c'est beaucoup plus rentable. Bon, bah, du coup, les gars, si vous voulez vous améliorer et monter rapidement en rank, n'hésitez pas à faire de la solo. Moi, j'avais l'exemple, par exemple, EMXR, il a fait un top 1. 55 kills, il a gagné 10% en squad. Moi je faisais un top 1 6 kills, je gagnais 10% aussi en champion. Voilà. Ok, ok. Et du coup, le concept aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez remarqué, je voulais pas vous le dire tout de suite pour voir s'il y en a qui avaient l'œil, mais Shino c'est simplement un joueur qui joue à Fortnite à l'envers. C'est à dire que quand il va mettre un coup de souris vers le haut, au lieu d'aller vers le haut comme moi, la caméra elle va aller vers le bas. Du coup, tu joues carrément en fait en inversé. Je savais que ça existait sur manette, mais sur clavier souris, j'étais pas du tout au courant. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu joues comme ça ou pas? En fait, quand j'étais petit, mon père il m'avait appris à jouer caméra inversée parce que lui il jouait comme ça sur les jeux. Et toi, du coup, t'es plutôt un joueur qui joue les kills ou plutôt les tops en ranked? En ranked, j'ai tendance à plus jouer les tops, à jouer les kills dans le late game, entre guillemets, en solo. Parce que les late games, ils sont vraiment incroyables. Et même pour le fun, c'est tellement mieux de jouer des late games. En duo, par contre, j'ai plus tendance à chercher des gros kills quand je suis avec mon mate, parce qu'on s'entraîne pour le cup. Ok, il y a des mecs en face. Non, mais chill, hein. Tu veux le qu'on aille sur lui? Vas-y, ouais, je veux. Il est là devant. Il y a son mate. Non, il y a deux teams, il y a deux teams. C'est. Il est mort, il s'est pris 7 snipes. 96 sur le deuxième. Un HP le deuxième. Alors, on va voir. J'ai pris une tête au snipe. Un HP le deuxième. J'ai pas. Oh là là. Non mais wesh, du coup c'est pas grave, on va relancer une game et cette fois-ci on va faire le top 1. À gauche ça se fight de fou. Hein. Il y en a un, il est quasiment AFK là. 112, crack, il est low. Hein. Il a été un blanc. Fais gaffe, son mate. 100 HP son mate. Full box. Mort. Non. Nice, GG. Et du coup toi frérot, au niveau des armes, c'est quoi le meilleur stuff cette saison pour toi? Moi c'est espace, AR, bon tout en légendaire hein, évidemment, et 3 heal. Et au niveau des atouts, tu préfères jouer lesquels toi? Alors en ranked, il y a un atout qui est super fort, c'est braquage de sac. Ça vous permet d'avoir soit des splash, soit des matelas, soit des répus en ouvrant n'importe quel objet qui peut s'ouvrir. 29. 29. 66, crack. Le spray. Un HP, je suis mort. Je suis pas mort. Par contre il va rester son mec. Non, il va apparaître, je lui mets la pression. 36.
Bien joué. Bon, là on a le meilleur stuff frérot, top 18, on est obligé de faire top 1 là. 39. Je faille en fait. 29. 49. Sur moi, sur moi. Attends, je suis là. Ouais, 72, je vais back en fait. Ah, j'ai pas plus back. Je fais détruire mon wall. Non mais voilà lui. Bon c'est pas grave, malheureusement on n'aura pas réussi à faire top 1 en duo. Ce que je te propose c'est que tu lances une game en solo et ensuite on ira voir comment tu te débrouilles également en cup. Du coup frérot, de ce que j'ai compris, toi t'es bien meilleur en solo qu'en duo. Donc pour faire une bonne game en ranked, tu vas spawner. Je fais spawn au niveau du camion ici et ma rota va dépendre de mes adversaires en fonction de où ils spawn. Ok ça marche, en vrai tu penses que tu pourrais faire top 1 ou pas? C'est possible, surtout que là je suis chaud. Ok ça marche, et du coup nickel, tu vas pouvoir te mettre full vie. Une fois que tu fais ça, tu vas farm ou tu pushes direct, tu joues comment en solo toi? Je pense que je vais aller à la maison ici d'abord et je vais farm et récupérer des armes avant. Wesh, la dinguerie. Ok ça marche. Et du coup au niveau du stuff en solo tu joues quoi? Space, air viseur et du... Et si t'avais un conseil à donner aux gens pour s'améliorer en solo, tu leur dirais quoi? Faut essayer de jouer les late game et pas de prendre des fight mid game, prendre tout soit au début soit à la fin. Les gars, si vous voulez vous améliorer en solo, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour voir toutes ces techniques. Je vais jouer les bots ici, à tour radio pour voir la zone. Du coup maintenant que t'es bien en build et en loot, tu vas aller où? J'attends les bots là, ça spawn à la radio et puis je vais les tuer. Oh bien joué. Dommage. Il est dans le coin. Il y a un autre mec qui a mis la carte. Oh là là. Nice, GG. Il y a d'autres cartes ou pas qui spawn? Ouais, mais aux autres endroits de la map quoi. Ouais, ça veut dire les gens ils l'ont déjà récupéré. Oh, je vais jouer le mec qui a pris ma carte. Ah, mais il y a un autre mec. Il y a un autre mec qui arrive. Ouais, allez. Mais je me suis pris la greu. J'attends que leur fight se termine et je vais rush. Ok. Oh, dommage. Fais gaffe, hein. T'as aucun build ici. Allez, c'est vrai. On montre. Mettons en brique. Voilà, slurp. Attends, je vais back vite fait, mais je reviens après. C'est trop fort pour Bax. Hein. Ok, cette fois-ci t'as bien mis la stir. Oui. Bien joué. T'as le mur, t'as le mur. Oh, dommage. Nice. GG ça. En plus, il a un maxi stuff. Tu vas pouvoir te remettre encore mieux là. Par contre, t'as que 2 kills alors que j'ai l'impression que tu t'es fight pendant 10 ans. Ouais, c'est des backstabs ça. Il y a la moitié de tes kills, tu te les ai fait voler. Tu me pushes pas? Non, je vais éviter parce qu'il y a l'autre là. Ok, ok. Juste en pot une seconde, je me prends ma cache. En vrai, s'il commence à aller le fight, l'autre peut-être j'irai. Allez, sous sueur. Fais gaffe, t'as aucun build, c'est pas dans la box. Comme ça. J'ai l'autre tête en air avant. Je vais back tranquille, tranquille. Encore, ah, bah lui il a pas envie que je back, apparemment ça me va. Ok, mais tu peux aller sur ta cache à l'époque. Je vais poser passe, la passe, ici. C'est pas assez pique. Ah ouais, bien vu. Ok, ok. Pourquoi tu prends les 50-50 comme ça à chaque fois? Je sais pas, j'ai pas le réflexe de me heal. Ça passe good, ouais. Attends, tranquille, t'en peux t'asseoir, Le problème c'est qu'il a un lance-grenade, attends. Dommage. J'ai le complot, il va obligé de fight tout le monde, hein. Ouais, je sais. T'as plus beaucoup de maths, t'as 400. Il y a une voiture en bas, je crois. Il me semble qu'il vient avec. Ouais, c'est vrai. Non, vu que je vais revenir sur ma cache, vite fait. Je sais pas s'il va me jouer en vrai sur ma cache. Je pense pas qu'il sait que c'est ta cache. Perds pas de temps, utilise la voiture pour te remettre très bien. T'es top 14 avec 3 kills. S'il te plaît, fais-nous le premier top 1 de cette vidéo. Vas-y. Nice, let's go GG. Faudrait surtout que t'aies un petit peu plus de maths. Au moins du bois, c'est cool. Que tu sois à 1000. Le drapeau de l'île a été fait, je crois. Ouais, j'ai vu. J'essaie de choper des répus avec la toux là, mais feu de l'or. Bien joué, peut-être tu peux le push. Ouais, je peux, mais il a l'air d'être malade. Ouais, j'avoue qu'il a l'air. Pour build autant comme ça, faut pas être bien dans sa tête. Hein. C'est en haut ça ou c'est en bas? Fais gaffe, ça arrive pas sur toi. Bien joué, ouais, je t'ai inné. Et s'il y a des répus là-dedans, j'ai win la game. Nice, ça saute. Bien joué. 9 personnes et vraiment pas stack. Hein. C'est ton moment là, tu peux faire le top 1. Nice, full match. Là, c'est sûr que tu vas faire le top 1. Le mec là-bas. Non, mais y'a un mec au snipe au loin. Il a trop chaud lui en plus. Pas que je joue alors qu'il y a un autre mec comme toi dessus. Ah, il m'a vu. Le problème, c'est qu'il a un canon à répu. Il peut revenir instantanément sur moi. Genre. Ah, mais il est mort, il s'est pris une balle de snipe. Oh là là, là, lec. Attends, il me la faut. Oh là, let's go. Oh là là. Attends, mais il y a la gourde du brave. Ouais, mais c'est un peu nul en vrai. J'ai 18 roquettes. Oh là 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 là, je suis trop bien. Là, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Prends pas une tasse de snipe, fais gaffe, y'a un mec qui. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Snipe. Bien joué. Dommage. Non. Oh là là, je suis un truc. Bien joué. Oublie pas, y'a le sniper. Hein. Oula, bien joué. Ouais, juste. Non, mais wesh, c'est une dinguerie le mec. Il a sacrifié sa vie pour me mettre un. Oh, la dinguerie. T'es plus donné de la tête. Mettons en brique. Il a touché tous les mecs qui restent. Wesh, hein. Oui, j'ai tout le temps de monde. Juste lui, faut que j'arrache. Nope.
Nice. Let's go. Je peux faire top 1 ult, il envoie ses propres avant qu'il y ait Unreal quand même. Ouais, juste faut pas que je troll, il y a l'autre combat. Répu pour le faire tomber, non? Ouais, ouais, mais je voulais attendre un peu. Pas de problème. Juste à attendre. Nice, bien joué. Coaché, lui, de mettre la pression peut-être. Ça me met. Ouais, bien joué. T'as fait top 1, allez. Ah, bâtard. Oh, wesh. Ouais, GG. Let's go le top 1. Bon bah du coup on va directement partir faire la solo cash cup pour voir ce que ça donne en compétition. Du coup frérot, là pour ta stratégie en solo cash cup, tu vas spawn où? Je vais spawn encore au camion de shield là-bas. Et ma rota elle va dépendre de où sont les gens. Généralement il y a un mec là et peut-être un mec à la ville là-bas. Ok, ça marche. Est-ce qu'en vrai tu penses que tu pourrais faire top 1 durant cette première partie? Généralement les premiers lobbies sont les plus simples, mais si la cup se passe mal, il y aura encore plus de chances que j'en fasse après en soi, donc je sais pas. Ouais, je vois ce que tu parles. Si tu fais un mauvais début, à un moment donné t'auras un lobby plus simple. Là tu vas peut-être gratter un top 10 quoi sur la première game. Il y a moyen. Par contre il y a déjà un mec mon spawn. Quand c'est comme ça, tu vas où? Bah ça dépend en fait, j'ai jamais personne qui m'a pris le camion. Vraiment, premier degré, c'est la première fois que ça m'arrive depuis, je sais pas, genre 20 games. C'est pas grave, t'as la maison, t'as déjà des mini, PM. Là, il faut juste un petit espace. Ensuite, il y a la brique, le bois partout. Ouais, mets-toi les mini, tu vas aller quoi? J'sais à la maison si rouge. Y a un mec au métal. Ouais, dans tous les cas, même s'il y a un mec, il y a moins que ce soit mieux que lui. Ouais, ouais, c'est possible. Nice, t'as une clé. Ouais, j'ai l'air violette. Là, tu vas farm tout le métal ici. Ouais, peut-être pas de suite. Je vais peut-être essayer d'abord de me loot et je vais prendre ma pierre, du métal et ensuite je vais commencer à aller chercher des pompes. En vrai, un espace, c'est pas hyper rare non plus. Je pense que tu devrais farm et ensuite tu rota et sur ta rota, c'est sûr, tu vas tomber sur un espace 12. Ouais, tu peux tenter les bots là-bas, mais c'est risqué en soi. Et si j'arrive à les avoir, la game, ça peut vraiment se transformer en un top 1. Parce que vraiment connaître les zones à l'avance, c'est trop trop fort. Je prends une box, juste éviter de me faire un petit peu par dodge. Ah, un mec juste à côté par le courant. Ouais, fais attention. Je l'ai vu, j'ai vu. C'est gaffe, tu l'as vu. Ouais, hésite pas à cramer tes maths, hein, tu pourras reformer, t'inquiète, nickel. Je referme. Par contre, là, il va y avoir des mecs peut-être potentiellement sur la route. Déjà, là, t'as la zone, c'est hyper fort. Hein. Tu vas pouvoir savoir exactement où aller à chaque fois. C'est beaucoup trop bien. Ah, oh, il est encore là, lui. Il a pas l'air de vouloir me fight, mais juste à chaque fois, il. Oh, son air est plus la mort. Ah bah il sait s'en servir en tout cas. Fais gaffe, c'est un hater. Là tu fais quoi? Tu vas essayer de prendre au moins 3 zones d'avance, non? Je vais essayer d'aller déjà sur ma cale. Oh bah il me cache. T'es Gucci frérot, si tu nous fais pas top 1 là je comprends pas. Hein. Je vais vraiment bien, j'ai une rota super chill pour l'instant. Un mec à gauche. Tout est aligné pour que tu fasses top 1 là. Ouais. D'ailleurs tu me parlais de loot parfait, je pense que là tu l'as. Tu vas faire la game parfaite, c'est pour ça. Ouais, ouais. Vous êtes encore 27, t'as une bonne pause, tu vas pouvoir rota facilement parce qu'elle est juste à côté. Donc, il y a un mec pas loin, normalement ça devrait le faire. T'es 4 mat, t'as un maxi stuff. Qu'est-ce qui peut mal se passer là en vrai? Tu veux que je te dise ce qui peut mal se passer? Je viens de voir un message dans mon chat et dans la le game à Talmo. Ah là c'est bon là. Nickel. Ouais, là je suis parfait. Pique pas, juste attends les tops. Non, j'essaie de pas trop la jouer. Mais si jamais je suis vraiment en retard en termes de. Ouais, vraiment. Bien joué. Bien joué, c'est encore 16, y'a moyen de faire un truc hein. Ah ouais. La rota lui? Non, il a pas rota. Non, fais gaffe. Je sais pas, il fait quoi. Hein. Oh là là. J'ai pas eu le kill. Ah, t'essayes de passer sur son stuff? Oh là là, je suis. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, allez, prends le truc qui permet le rota. Ok, c'est bon, t'as tous les maths qu'il avait, tu peux avancer, c'est super bien. Ouais, tu peux te caler ici, t'inquiète. En fait, le problème c'est que là c'est vraiment pas obligé. Regarde, y'a le mec. Ouais, je sais, c'est vraiment pas obligé. Mais t'as le moyen de rota, Oula, il s'est arraché lui. Top 10. Bien joué. Nice, t'es bien, Matt. Y'a des mecs à ta gauche. C'est pas grave, ça le fait. Ok, nickel. Mets-toi en brique. Je vais monter, juste venir me rapprocher ici. Reload ton air aussi, il reste 7 mecs. Essaye de la serre. Bien joué. Juste une balle. Oh. Dommage, t'inquiète, peut-être tu vas l'avoir de la zone. Descends un peu. T'as un stuff juste en bas de toi, je crois. Fais gaffe. T'es vraiment. Oh là. Ouais, je suis de retard. Avance. Va prendre l'avance. Va prendre l'avance, sinon y'a un mec qui va te monter juste au-dessus de l'arbre. Ah, ça va pas passer. Mets deux fiches, top 5. Y'a un mec au top, fais gaffe. Wesh, comment? Ouais, mais là, dommage. T'as commencé par un top 4, c'est propre. Ok, du coup, t'es sur ta dernière game, tu le sens comment là? Non, je suis pas sur ma dernière, je vais lancer après. Ok, ça marche. Je vais quitter une minute avant la fin, mais ça va, là la game, je la sens bien. Oh! Nice! Let's go, le petit point de plus. Et en vrai, je vais le rush. Vraiment, je vais mettre une pression constante parce qu'il y a une sueur. Bien joué. Nice. Parfait. Il est 57. Nice. Bien joué, let's go. Je sais pas, il reste combien de points, mais il reste sûrement 10 points dans la game à gagner, non? Oh là là. Let's go. Merci. Ouais, fini la game. Non, je vais quitter, je me suis sûr. Mais t'auras pas le temps de relancer là, une minute. Si, ça lance à la dernière seconde même, ça marche. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous, il y aura tous ces réseaux en description. Bref, c'était Kinder, allez, ciao les mecs.